Chers amis, le 19 juillet 2014, un chemin de mémoire a été ouvert pour rendre hommage aux soldats comoriens tombés pour la France. Ce chemin, nous y sommes réunis à nouveau, après avoir ravivé la flamme du soldat inconnu au mois de septembre dernier, sous l'Arc de Triomphe. Et aujourd'hui, c'est entre CUT et Ourscan pour rappeler notre attachement à cette mémoire héroïque qui dresse à jamais un pont entre deux peuples, deux nations. Ces jeunes soldats comoriens avaient été convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur des lieux de combat loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel devait s'ajouter la morsure du froid et la douleur du dépaysement. On ne peut donc pas les oublier, et on n'oubliera jamais ce que la France doit aux Comores, cette dette de sang. Ces hommes n'étaient pas des inconnus, mais ils étaient des anonymes. Non pas que l'on voulait les oublier, mais puisqu'ils n'étaient pas nés en France, sur notre territoire, ils ne pouvaient pas figurer sur les monuments aux morts. Il était donc temps que justice leur soit rendue. C'est ce qui a été fait ici, à CUT et Ourscan. Maintenant, les soldats comoriens tombés pour notre pays pourront être connus de tous, et surtout de leurs enfants et petits-enfants, qui pourront retrouver leur parcours, leur combat et leur gloire. Aux descendants de ces combattants, où qu'ils soient, je leur dis ici toute ma gratitude. À ceux qui sont en France, devenus français et pleinement français, je leur dis aussi combien ils peuvent être fiers de leurs parents et conscients que la République a une dette à leur égard. On ne pourra jamais oublier le prix du sang versé. On gardera toujours en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté sans distinction d'origine ni de religion. L'histoire, comme souvent, peut venir éclairer le présent. Et je voudrais vous citer ici les mots du général Larmina, président de l'Association des Français Libres, qui va, en 1961, inaugurer à CUT la plaque commémorative en l'honneur des combattants somalis. Dans son discours, il dit ces mots restés célèbres. Ce monument, s'il est modeste, est hautement significatif. Le passant qui traversera ce carrefour aura l'œil attiré par l'encre de marine. S'approchant, il dira que par deux fois, des hommes différents de nous, par la race et la religion, mais tout proches par le cœur, sont venus pour donner leur sang en défendant un idéal de civilisation humain et libérale. Voici peut-être aujourd'hui ce qui donne le plus de sens à notre réunion et à la ferveur commémorative qui nous anime. Ces mots nous rappellent que par-delà les passés, les histoires parfois houleuses, les remous qui agitent le monde, quand vient s'abattre sur nous la barbarie, nous savons nous reconnaître comme frères par la force des valeurs qui animent notre cœur et nous mobiliser ensemble pour rejeter l'inacceptable. Comme vous tous ici, j'ai à l'esprit tous les drames qui jalonnent le monde et qui, il y a peu, ont endeuillé notre pays au sein même de sa capitale. Comme vous tous ici, je m'interroge, et je m'interroge souvent d'ailleurs, sur le regard et l'attention qu'il faut porter à ces événements pour ne plus qu'ils se reproduisent. En commémorant la mémoire des soldats comoriens morts pour notre pays, nous rappelons qu'il existe par-delà nos différences un destin qui peut être commun. Destin forgé dans le drame, la guerre et le sang par le passé, il doit aujourd'hui nous porter contre la barbarie et nous faire réaffirmer notre idéal de paix et de concorde. Ce chemin de mémoire sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, je souhaite, en tant qu'élu du département voisin, qu'il puisse trouver son prolongement naturel vers le plus grand nombre, pour que l'héroïsme de ces soldats comoriens interpelle le plus de conscience. C'est pourquoi nous avons décidé dans notre canton de Sarcelles de dresser dès l'année prochaine
une stèle commémorative en l'honneur des combattants africains. Cette stèle sera également l'occasion d'un travail pédagogique mené par les enfants de la ville pour retracer la mémoire de ces combattants. Pour l'année 2016, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce travail pédagogique débutera par un hommage aux combattants comoriens du bataillon Somalie. Je voudrais d'ailleurs saisir ici l'occasion pour féliciter Madame Fatima Tabibou, présidente de l'association de l'Amicale Parlement des Tirailleurs Comoriens, excusez-moi, pour son énergie et sa détermination à faire vivre une mémoire aussi précieuse. Je voudrais en même temps saluer et féliciter la communauté comorienne de Sarcelles, communauté ô combien exemplaire, pour son implication sur cette thématique. Le devoir de mémoire honore une nation. Il permet le rassemblement de tous. Il réconcilie les histoires personnelles, familiales, et participe à la reconnaissance du parcours de chacun. Le devoir de mémoire est aussi une contribution, non seulement à ce que notre pays a été, mais à ce qu'il peut être si nous ajoutons à ce devoir de mémoire le devoir de réussite. Nous en avons fait la preuve aujourd'hui, nous partageons la même communauté, nous sommes tous dans la même communauté, c'est la communauté de l'humanité. Vive la France et vive la République des Comores. Je vous remercie.